dès 1909, la production en masse d'objets mécaniques complexes, tels que le fameux modèle en T. Et si ce genre de situation arrivait dans notre établissement, que feriez-vous? Dans cette situation, les premières minutes sont très importantes. Le moindre petit geste peut faire la différence. Et pour ce faire, vous êtes les premières personnes à être sur place. Nous sommes dans une région où les services de secours peuvent mettre beaucoup de temps à arriver. Malgré un appel assez précoce et la proximité du centre hospitalier de l'Ardenne, vous pouvez faire des gestes simples, pouvoir évaluer la situation, pouvoir répondre correctement à la personne que vous aurez au bout du fil quand vous appellerez les secours. Au niveau des urgences, si la personne a été prise en charge avant et que des premiers gestes ont déjà été posés, les chances de survie de la victime sont doublées. Ce genre de situation peut arriver n'importe quand, à n'importe qui. En tant que membre de la HRS, vous êtes les premiers intervenants dans ce genre de situation, les premiers témoins. Il ne faut pas avoir peur de venir à ce genre de formation. On ne va pas vous juger, on ne va pas remettre en question vos capacités. Formez-vous pour nos étudiants, pour vos collègues, pour votre entourage. Venez sans crainte, ça nous aidera aussi à sauver des vies. Ce serait une belle preuve d'humanité.